Et pour faire accord avec la journée des coutumes et traditions, l'association de solidarité dénommée Soupi a organisé la 3e édition de la journée culturelle Toussia. C'était le samedi 11 mai dernier à la maison des jeunes de Ouagadougou. Une journée qui réunit la diversité linguistique et culturelle de l'ensemble des ethnies Toussia. L'initiative de l'association vise à promouvoir la culture. Le reportage de Mousaki. De la musique et des pas de danse du terroir, la communauté toussien est ici en communion dans une belle ambiance de retrouvailles à l'occasion de la journée culturelle de la communauté. Cette journée, il s'agit de s'affirmer, d'affirmer sa culture, de s'ancrer dans son identité. Et qui dit affirmation de sa culture ne veut pas dire qu'on s'enferme, c'est pas un enfermement. Parce qu'en fait, pour échanger avec les autres cultures, il faut venir avec quelque chose. Donc, enrichir sa culture, promouvoir sa culture, c'est se donner les moyens pour échanger, pour s'ouvrir avec les autres cultures. Un peu comme le disait Senghor, l'affirmation de moi n'est pas une fin en soi. Quand on s'affirme, c'est pour s'ouvrir à d'autres cultures. Donc, c'est le but de cette journée culturelle. Pour permettre aux gens de se découvrir, de savoir d'où ils viennent, pour savoir où ils vont. Parce qu'il faut, quand on échange avec les gens, il faut avoir quelque chose à donner. C'est ça le but même de cet échange. Une journée qui fait la promotion de la culture des Toussiens. Elle est initiée par l'association de solidarité Soupi. À côté de cette ambiance festive, des instruments du terroir en exposition. Mais pas que cela. Il y a aussi du miel naturel, du gonri, ainsi que d'autres mets traditionnels à déguster. C'est le cas du plat Bambara, bien connu des Toussiens. Là, on te sert d'abord avant de te servir un autre plat. Quand tu arrives au village, tu quittes chez toi, en ville par exemple, tu arrives au village, c'est avec le Bambara d'abord qu'on te dit, on se souhaite bonne arrivée, en attendant de te préparer un autre plat. Le Bambara vient de chez les Toussiens, pays Toussien. C'est un plat traditionnel de chez nous. Les pays toussiens. Voilà. Et c'est pas les pays toussiens seulement, même les pays siamois également en consomment aussi. Y compris avec le bandit. Le parrain de l'événement salue l'initiative et s'engage à accompagner les organisateurs pour les éditions à venir. La journée de communauté toussien est marquée par un repas collectif.